Portage is a very unique situation that I've never seen in any other city during my career, whereas the distribution is done by the Salvation Army, by Carrefour Rouge, by the Red Cross, by social services. So we are actually, the food that we have are getting to the people that really need it. And that's the importance of why we like working for Portage. La Fondation Partage remercie toutes les Genevoises et tous les Genevois qui ont participé à l'opération du samedi de partage. Ça représente environ 30% des produits qui sont redistribués tout au long de l'année, donc c'est quelque chose de considérable pour nous, un apport important dans les produits que l'on redistribue. Suite à cette opération, un gros travail est fait par des bénévoles au sein de nos locaux, puisqu'il faut, durant près de 2 mois, trier ces 300 tonnes de denrées qui sont récoltées. L'année passée, j'ai fait le samedi du partage en allant récupérer dans les supermarchés des denrées remises par les différents clients. Et à partir de là, je voulais comprendre la finalité, donc jusqu'au bénéficiaire final. Et le tri qu'on fait aujourd'hui permet de comprendre tout le volume et l'augmentation des bénéficiaires à travers le temps. La demande est en forte augmentation aujourd'hui et on devra aussi intensifier les récoltes du samedi du partage, donc on aura de plus en plus besoin de bénévoles à l'issue de ces récoltes. Once you convince the people of the outcome, of the benefit of doing this job, people do it and they come back. They just keep coming back. Not the most interesting of jobs, but knowing that they are making a difference in people's lives, and that's the important thing. Après une matinée comme celle-ci, on a contribué à aider quelque part la communauté. Même si on n'est qu'une partie de la chaîne, ça crée un sentiment de bien-être à travers cette bonne action. Et je pense que c'est quelque chose qui est très valorisant à titre personnel. Cette implication quotidienne nous permet aussi à nous de pouvoir assurer notre mission de récolte de produits frais auprès de nos partenaires tous les jours. Sans l'apport de ces bénévoles, effectivement, on serait dans une situation plutôt compliquée pour pouvoir assurer ce tri et pouvoir surtout redistribuer ces produits dans de bonnes conditions. Je profite là donc de les remercier de cette implication et de ce geste qu'ils font envers la Fondation Partage. C'est quelque chose de fondamental pour nous et c'est quelque chose qui va devoir être développé.